L'une des grandes tristesses de ma vie, c'est en découvrant, il y a une dizaine d'années, que je ne tolérais plus le café. La moindre goutte avalée me faisait trembler, les nerfs en pelote. Moi, l'enfant du café, dont le grand-père à Petit-Gouave en achetait des paysans qu'il revendait en Italie et dont la grand-mère vivait dans une cafetière. L'impression de perdre tout l'univers olfactif de mon enfance. Proust, allergique à la Madeleine et la recherche, s'immobilise faute de carburant. J'ai changé mon alimentation, augmenté le rythme de mes exercices et réduit au minimum ma dose quotidienne de café jusqu'à retrouver le goût perdu de cette boisson des écrivains. Car le café, c'est l'encre qui irrigue le cerveau de l'écrivain et lui permet de délirer. Tout en restant lucide. C'est la seule boisson dont le goût ne nous déçoit pas de l'odeur. C'est la seule boisson, je le redis, dont le goût ne nous déçoit pas de l'odeur. Pour d'autres boissons, comme le cognac, l'odeur enchante plus que le goût. Mais le mot café fait référence aussi à cet espace public où les gens se retrouvent pour discuter librement avec des amis ou des étrangers, tout en buvant du café ou du cognac. Les pouvoirs publics ont tout de suite remarqué le potentiel de subversion de cet espace populeux où règne la liberté d'expression. Ils ont cherché à interdire la boisson comme le lieu, mais le goût du public l'a maintenu. Il arrive que des gens, pour fuir la solitude, passent plus de temps dans un café, que chez eux. On imagine mal ce que serait notre société sans cette boisson et le lieu défini pour la boire.